Nouvelle session informative sur les antennes de la centrale radio et télévision. Madame, messieurs, bonjour et bienvenue. À la une de cette session informative, la délégation du gouvernement est arrivée à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, la soirée du samedi 2 septembre de l'année en cours, dans le but de se faire une idée claire sur les tueries enregistrées la journée du 30 août dernier au niveau de cette partie est de la République démocratique du Congo par les forces de l'ordre. Cependant, la délégation a promis des sévères sanctions auprès des coupables de cette situation qui a prévalu dans cette partie de la République démocratique du Congo. Vous suivrez les chefs de la délégation donner les comptes rendus de la mission qu'ils sont en train de mener dans cette partie du pays la journée dès ce 4 septembre de l'année en cours. Et puis l'affaire Bukangalonzo qui occupe le devant de la scène sur l'appareil judiciaire au niveau de la République démocratique du Congo a été renvoyée la journée du lundi 25 septembre prochain car la Cour constitutionnelle a aussi accordé un délai supplémentaire pour garantir l'accès à toutes les pièces du dossier à l'ensemble des prévenus et leurs avocats. L'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo Mapon a répondu personnellement la journée de ce 4 septembre dès l'année en cours auprès de la Cour constitutionnelle dans ces dossiers. Et puis, la rentrée des classes est effective sur toute l'étendue du territoire national. À Kinshasa, cette rentrée a connu son lancement dans une école située dans les encablures de l'université de la capitale RD congolaise par le ministre national en charge de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba, qui a tenu à placer cette rentrée sous les signes de l'amélioration de la gestion au niveau de la République démocratique du Congo à suivre dans cette session informative. Voilà tout pour les titres, madame, messieurs. Bonjour et bienvenue. Isaac Sacramento me permet de vous atteindre de partout. Salika, si je suis monté au trésor à la présentation de cette énième édition d'information sur le zone dès la centrale radio et télévision. Ce mardi 5 septembre dès l'année en cours. Madame, messieurs, encore une fois de plus, bienvenue. Ouvrons cette session informative en prenant la direction de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, où je vous ai dit en luminaire de cette session informative que la rentrée des classes est effective sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. À Kinshasa, le ministre national en charge de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba, a procédé au lancement de cette rentrée des classes dans une école située dans les encablures de l'université de Kinshasa et a placé cette rentrée sous les signes de l'amélioration de la gouvernance en République démocratique du Congo. Suivez donc cet élément des reportages de nos confrères de la Radio-Télévision nationale congolaise. Parti pour l'année scolaire 2023-2024 sur toute l'étendue de la RDC et c'est là après deux mois de grandes vacances pour les élèves de l'EPST. Cette année, le ministre Tony Mwaba Kazadi a ciblé l'école Moulin Kwasampo située au quartier Tchad derrière l'université de Kinshasa, école nouvellement construite dans le cadre du programme de développement des 145 territoires pour lancer la rentrée des classes ce lundi 4 septembre 2023. L'objectif de cette année scolaire, améliorer la qualité de l'enseignement, la bonne gouvernance et la redevabilité. Au nom de toute la communauté éducationnelle, je voudrais exprimer ma gratitude sans cesse renouvelée à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, chers enseignants et enseignantes. Nous devons tous contribuer, chacun en ce qui les concerne, pour faire asseoir une économie du savoir en mettant l'accent sur le développement harmonieux de nos élèves, ressources pour notre pays qui aspire à l'émergence. Orientons-le vers une totale expression de leur savoir et de leur créativité. Une journée de joie pour les élèves de vivre les retrouvailles avec leurs camarades et faire connaissance avec les nouveaux inscrits qui font leurs premiers pas à l'école. Une occasion pour le ministre de l'EPST de rappeler les grandes réalisations de son secteur de l'année scolaire passée. Tony Mwaba a demandé l'implication de tous les partenaires éducatifs pour la matérialisation de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, centré sur la gratuité de l'enseignement fondamental en République démocratique du Congo. Quelques objets classiques ont été remis aux élèves par l'UNICEF. Juste après, le ministre a poursuivi son inspection dans certaines écoles de la ville-province Kinshasa pour s'assurer de l'effectivité de la rentrée scolaire 2023-2024.
Et puis cette rentrée des classes est effective aussi sur la montagneuse ville d'Elikasi, quoique timide dans certaines écoles où les élèves n'ont pas rehaussé de leur présence comme il s'est devé le premier jour dès la rentrée des classes en ce 4 septembre dès l'année en cours. Cependant, avant cette rentrée des classes, l'association sans but lucratif Chibukeni a procédé à la remise des kits scolaires aux élèves des différents quartiers de la montagneuse ville d'Elikasi par l'entremise de leurs parents. Ce fut la journée de ces deux septembre dès l'année en cours où cette association sans but lucratif est allée au quartier Mouya, au quartier Kakonte, mais également au quartier Trabeka pour la remise des fournitures scolaires aux parents d'élèves. Suivez donc cet élément des reportages. Accompagner les parents en fournitures scolaires pour cette rentrée scolaire 2023-2024 est la mission qui s'est assignée la mégastructure associative des Chibukeni l'après-midi de ce 31 août de l'année en cours. Tour à tour, la forte délégation du comité de gestion des Chibukeni, avec en tête d'affiche Gérard Moukiebo, coordonnateur principal, suivi de M. Warkis Milor Lukulungu et bien d'autres, ont remis les cahiers, stylos et autres aux parents d'écoliers du quartier Nguya dans la commune de Chitoro, avant de voir la caravane des bienfaisances prendre la route du quartier Kakontwe dans la commune de Panda, où le même geste a été posé avant de boucler cette caravane par les quartiers Trabeka de la même commune pour le même geste. Pendant Anguilla, la particularité était consacrée à la remise des chaises pour le fonctionnement du bureau des sites ASBL dans cette partie de la ville. Du côté des bénéficiaires, merci a été le mot plein d'essence adressé à cette ASBL qui brille de mille feux dans les actions caritatives à Likasi et ses encablures, selon la vision de son initiateur et président national de cette ASBL, l'honorable Jean Muzinga Mushinji. Sababu ya kusindikiza hiki nkunji kumwisho shebo tukaonemwa ina vile. Joka merci sana. Mungu ebabariki ebatangurie. Tuba netusaidia mwaka yeye ya kusaidia na watoto kwa masomo ya rentree scolaire. Tunapika merci sana. Fuga sana. Bakaji bote ba mwetu mtanisha parce que c'est pour la première fois atujaona watu wa kufanya majeste ya hivi en tout cas shibuke ni Mungu ababariki sana. Il sied de noter que ces gestes vient de s'ajouter aux nombreuses actions caritatives que mène cette ASBL dénommée Chibukeni, dont le siège social se situe au numéro 8 de l'avenue Jacaranda, commune et ville d'Elikasi. Même geste posé par l'action Papale qui appelle à en abréger cette méga structure associative de la montagneuse ville d'Elikasi qui a lancé un appel à tous les habitants de la montagneuse ville d'Elikasi à faire le déplacement du siège de cette ASBL, question de recevoir les kits scolaires pour leurs enfants, cadeaux signés, les députés provinciaux élus de la montagneuse ville d'Elikasi, honorable David Daouté Katoué. Plus de 15 000 personnes ont rehaussé de leur présence pour recevoir ces cadeaux signés. L'honorable David Daouté Katoué. Par la suite, ce dernier est allé se rendre compte dès la clôture du tournoi organisé par cette ASBL de la montagneuse ville d'Elikasi au niveau de la commune des Panda, de la discipline sportive basketball où la cérémonie s'est déroulée encore une fois de plus la journée de ce dimanche 3 septembre dès l'année en cours. De la bienfaisance à Likasi et député provincial élu de la ville montagnaise d'Elikasi, l'honorable David Daouté Katoué a poursuivi sa caravane de bienfaisance la journée de ce dimanche 3 septembre 2023. Espérant surprise, David Daouté Katoué a voulu accompagner les chefs de l'État et président de la République dans sa politique d'aider même le plus démuni, à accepter à l'éducation des qualités, raison pour lui de remettre les fournitures scolaires aux membres de sa fondation, communément appelée Action Papa Leki en particulier, et à toute la population d'Elikasi et toutes les autres fondations de la ville montagnaise d'Elikasi en général. Sans surprise, l'homme s'est retrouvé devant plusieurs milliers de compatriotes de cette ville,
venus recevoir cette assistance grandeur nature. Heureux d'avoir donné le sourire au visage de sa base électorale par ses gestes. L'homme au cœur en or, David Daoutekatwe, a pris la route d'Mpanda où il est allé s'assurer de la finale du tournoi de basketball qu'il a organisé dans cette partie de la ville, où après une rencontre amplement discutée de part et d'autre, le BC Quartier Mission a eu raison du BC Mpanda par un score de 31 à 22 buts. Et c'est après une rencontre les basketteuses dames qui ont compéti dans ces mêmes tournois. Satisfait du déroulement de ces tournois, l'homme des actions concrètes, David Daoutekatwe, a remis la coupe à l'équipe championne, procédé aussi à la remise des Jeux des Vareuses. Aux cinq premières équipes qui ont compéti, suivies de l'enveloppe contenant d'importantes sommes d'argent. Il s'y est de noter que cette finale marque la clôture des vacances avant la rentrée des classes prévue ce 4 septembre. Restons toujours là dans la commune d'Epanda qui est en train de retrouver sa splendeur petit à petit grâce au savoir-faire de l'homme du moment, la tête de cette entité territoriale décentralisée, Jean Moutamba, qui a dit sa détermination à défaire de la commune d'Epanda l'une des meilleures parties de la montagneuse ville d'Edikassi. Il l'a dit devant la caméra de la centrale radio-télévision la journée de ce lundi 4 septembre de l'année en cours. Suivez. On a projeté beaucoup de projets, malgré qu'on est en train de travailler avec l'IGF, mais les projets sont un peu bloqués à cause de l'IGF, parce que si on fait un plan de décaissement, le plan de décaissement doit être toujours analysé par l'IGF pour qu'il nous permette de travailler sur terrain. C'est pour cela qu'on est en train de travailler. Mais il y a un peu de blocage à cause de l'IGF. Mais on se bat pour faire de la commune de Panda une commune qui doit être exemplaire dans toutes les communes de la ville d'Edikassi. Sur le problème de... Le message, ce que je peux donner comme message, que la population de Panda que la population de Panda, que nous puissions travailler ensemble avec les gens, pour que nous puissions évoluer ensemble, pour que nous puissions remettre cette commune comme dans le temps de Belge, comme dans le temps de l'ancien Jekami, qu'on doit commencer à mettre la propriété, commençant par la maison et dans les rues, dans les avenues, pour que notre commune soit propre. C'est tout ce que je peux dire. Et puis, Maître Hugo Kasongo, cadre au sein du parti politique Anadec de la montagneuse de Edikassi, a annoncé officiellement sa candidature à la députation provinciale auprès des membres et cadres de cette formation politique. Lui qui est candidat pour le compte du regroupement DIPRO qui dirige au niveau national. Constant à Moutamba, au niveau de la République démocratique du Congo, dans une manifestation qui a vécu la journée de ce dimanche 3 septembre de l'année en cours, dans une salle des fêtes du complexe scolaire Niélé, dans la montagneuse ville d'Edikassi, toujours suivie. C'est une foule en liesse qui l'attendait de pied ferme l'après-midi de ce dimanche 3 septembre de l'année en cours dans l'enceinte du complexe scolaire Niélé pour lui témoigner
leur soutien indéfectible. Maître Hugo Kasongo, parce que c'est de lui qu'il s'agit, foule les sols du complexe scolaire Niélé autour de ses airs et reçoit les ovations de cette dernière qui l'attendait. À son arrivée dans la salle, l'homme fort de l'ANADEC, l'ICASI, Hugo Kasongo, n'a qu'un seul message à l'auguste assemblée, annoncer sa candidature à la députation provinciale pour le compte du parti politique ANADEC qui s'inscrit dans les regroupements d'IPRO. Aujourd'hui, tu n'as pas beaucoup ma dysenterie, tu n'as pas beaucoup ma maladie guinée, couchita au potable, tu n'as pas mis à maille forage. Ce n'est pas au pire. Tout ça, il est tout révolté. Na, tu l'as autorisation pour partir, bah toi aligné. Liant l'utile à l'agréable, Maître Hugo Kasongo a invité ses sympathisants à faire un vote utile et à ne pas se faire berner par les vendeurs d'illusions qui distraient la population pendant cette période électorale. Pour que vous votez, il fallait couper polo. Maman, nous devons quitter ce stade-là. Votez une personne qui est utile. Il y aura des politiciens qui viendront vers vous vous dire « Mitez Niengueva à la balle, un député, son rôle, ce n'est pas construire une route. » Un député, son rôle, ce n'est pas donner des emplois. Un député, c'est l'avocat de la population. Juste après, Maître Hugo Kasongo donne la parole au coordinateur urbain de cette dynamique qui, à son tour, a présenté les candidats présidents de leur regroupement à la présidence de la République, qui n'est autre que Maître Constant Mutamba. Avant d'expliquer les mécanismes fonctionnels du regroupement, et avant de clore la manifestation, Maître Hugo Kasongo présente son équipe à l'auguste assemblée qui va l'accompagner à gagner les élections. Notons par ailleurs que Maître Hugo Kasongo a dit la ferme détermination à son parti à courir aux prochaines joutes électorales et à rafler plusieurs sièges dans les institutions en vue de faire entendre leur voix. La direction de la ville de Bouna, sous le gouverneur des provinces, Jacques Abdoulakatou, a présidé un conseil des ministres dans la salle des banquets du gouvernorat des provinces du Haut-Katanga. La journée du 4 septembre de l'année en cours, plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour, entre autres la situation sécuritaire au niveau de la province, mais le gouvernement provincial a aussi déploré l'incendie qui est survenu sur la ferme privée à Djambo, située sur la route Kasinga, et a causé mort d'homme. Les comptes rendus élus ici par le ministre provincial en charge de la communication et médias, porte-parole du gouvernement provincial, Arcy-Joseph Réunion. Compte rendu numéro 012 de la réunion du Conseil des ministres du gouvernement provincial du Haut-Katanga du 4 septembre 2023. Sous la présidence de Son Excellence Monsieur le gouverneur de la province du Haut-Katanga, l'honorable Jacques Kiabula-Katwe, il s'est tenu ce lundi 4 septembre 2023 dans la salle des banquets du gouvernorat de province la réunion du Conseil des ministres du gouvernement provincial du Haut-Katanga. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Lecture et adoption de l'ordre du jour. 2. Lecture et adoption du compte rendu numéro 011 de la réunion du Conseil des ministres du gouvernement provincial du Haut-Katanga du 5 juillet 2023. 3. Communication de Son Excellence Monsieur le Gouverneur de province. 4. Situation sécuritaire. 5. Analyse du projet d'arrêté provincial portant création, organisation et fonctionnement de la Commission provinciale des certifications des créances. 1. Communication de Son Excellence Monsieur le Gouverneur de province. Dans sa communication, le chef de l'exécutif provincial a commencé par présenter les nouveaux membres du gouvernement, récemment nommés par arrêté provincial numéro 0079/Haut-Katanga du 9 août 2023, modifiant et complétant l'arrêté provincial numéro 0084/Haut-Katanga
du 19 juin 2019 portant nomination de membres du gouvernement provincial du Haut-Katanga. Il s'agit de M. Héritier Kiungu Kibwe, ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Affaires coutumières, Droits humains et relations avec la société civile, tout en lui présentant les félicitations. Il lui a prodigué des conseils d'ordre moral et éthique. Juste après, les gouverneurs des provinces a reçu en audience à le directeur général de l'Office des voiries et drainages à OVD, en abrégé, Victor Tumba, après avoir présenté ses civilités au gouverneur des provinces du Haut-Katanga, Jacques Yaboula Akadoué, procédé aussi à la présentation de la mission qu'il amène au niveau de la province du Haut-Katanga, qui est celle d'inspecter les différents travaux qui exécute l'Office des voiries et drainages au niveau de la province du Haut-Katanga. Suivez donc Victor Tumba devant la caméra de la cellule de communication du gouvernement provincial du Haut-Katanga. Katanga est une province centrale en termes de développement des infrastructures, avec à la tête le gouverneur Jacques Yaboula, qui est, comme moi je l'appelle toujours, un agent de développement et qui est dans la vision du chef de l'État, le peuple d'abord, avec le développement des infrastructures. Il y a un certain nombre d'infrastructures qui sont en train d'être réalisées dans cette province. Et ça mérite que nous, en tant que gestionnaires de l'OBD, parce que la plupart de ces infrastructures se trouvent dans notre réseau, que nous puissions y jeter un coup d'œil et voir quel est l'état de ces travaux qui sont en train d'être exécutés sous le financement de la province, parce que ça fait partie de notre réseau. Ça, c'était la deuxième volet. C'est les deux volets que je viens de dire. Et avec satisfaction, parce que je venais de le dire à son excellence, M. le gouverneur, je lui ai dit que ce n'est pas pour vous flatter, vous êtes un agent de développement. Vous appuyez l'OVD. Et puis, le gouverneur des provinces a reçu en audience une forte délégation des femmes membres de l'ARDEV venues lui présenter ou réaffirmer leur indéfectible de soutien à l'emploi du gouverneur des provinces Jacques Yaboula Akadoué après son retour à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Suivez donc cette remarque. C'est une visite de réconfort que les femmes de l'ARDEV, Fédération du Haut-Katanga, ont rendu au gouverneur Jacques Yaboula Akadoué le matin de ce lundi 4 septembre 2023. Elles sont venues réaffirmer leur soutien indéfectible au chef de l'exécutif provincial et autorité morale de leur parti politique, Action pour la rupture et le développement. Dans leur message, ces militantes de l'ARDF ont réitéré à leur président national leur détermination de faire réélire le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la présidentielle de décembre prochain et soutenir son représentant en province et gouverneur, Jacques Yaboula Akadoué. Nous sommes là pour confirmer que l'ARDF est derrière la vision du chef de l'État et avec notre autorité morale, nous allons assurer le deuxième mandat à Félix-Antoine Tshisekedi. En tant que les femmes ARDF, nous nous levons et nous disons que nous sommes derrière cette vision-là parce que ici, dans le Haut-Katanga, c'est ARDF ou rien. Nous sommes dans la lutte pour arracher. Donc rien ne nous distrait. Nous allons arracher. Avec ARDF, tout est possible. Et nous sommes du bon côté de l'histoire. Surpris par cette visite, le chef de l'exécutif provincial a dit toute sa gratitude à ses hôtes en réaffirmant son engagement à œuvrer pour le développement du pays et de la province du Haut-Katanga. ARDF, c'est encore possible. Et donc, nous-mêmes, en tant que modèle, nous devons être exemplaires et nous devons montrer que nous sommes des modèles et nous devons prêcher les valeurs. Ce pays ne peut pas changer dans le vol, le pays ne peut pas changer dans le détournement, le pays ne peut pas changer dans la corruption, dans le tribalisme. Non. Et donc, nous qui sommes là, nous devons résister et nous devons combattre ces antivaleurs. Donc, c'est ça
la raison principale de l'existence de notre parti, c'est combattre les antivaleurs pour que nous puissions accompagner le président Félix Antoine Tshisekedi à la victoire, et cette victoire qui va assurer à ce que le deuxième mandat, nous puissions travailler pour l'intérêt du peuple, comme nous sommes en train de le faire, et que le Congo change. Il faut noter que cette visite des femmes du parti politique ARDF au gouverneur intervient au lendemain du retour de Jacques Kyabulakatu en province, après une mission de près d'une semaine passée à Kinshasa. Et puis la commissaire provinciale en charge de l'emploi, travail et prévoyance sociale, Angélique Kyungu-Mamba, a procédé à l'ouverture d'un atelier à des formations et tests pratiques de contrôle à des travaux publics au niveau de la province du Haut-Katanga, qui a vécu la journée de ce 4 septembre dès l'année en cours à l'hôtel Lubumbashi. Les acteurs et intervenants du monde du travail sont en formation du 4 au 8 septembre 2023 dans la salle de la jeune fille où a eu lieu la cérémonie d'ouverture ce lundi 4 septembre 2023. 20 séminaristes venus des différentes entreprises minières, notamment TFM, GCK, New Minerals, ainsi que les délégations syndicales et les médecins du travail vont suivre pendant 5 jours des enseignements pour éviter des maladies liées au travail. Ces enseignements sont dispensés par MKM Consulting. Le gérant du cabinet Germain Kalinga Kasokota a donné des explications sur l'importance de cette formation. C'est une activité pour permettre à ce que les entreprises puissent s'approprier la nouvelle nomenclature. Les maladies professionnelles sont très importantes dans le secteur des entreprises et particulièrement dans notre province du Haut-Katanga. C'est pour cela que nous remercions Son Excellence pour cette implication personnelle dans ce programme. On va encore continuer, Excellence, à poursuivre cette sensibilisation pour que la loi, le décret promulgué par le Premier ministre soit vraiment appliqué dans toutes les entreprises de la province. Dans son mot de lancement de travaux, la commissaire provinciale Angélique Kyungu-Mamba a donné le thème de ses assises, à savoir « Nouvelle nomenclature des maladies professionnelles, protection, désignation, prévention, modalités de déclaration et de réparation ». Les entreprises et établissements sont soumis à l'usage des usines et ateliers, des technologies modernes dans lesquelles certaines opérations appellent à la manipulation des produits chimiques qui peuvent être à la base dans l'avenir source d'une maladie. Ainsi, la gestion de la santé au travail exige plus la rationalité, la souplesse et la prudence pour un lendemain certain. Pour ce faire, le gouvernement provincial, à travers le ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, en collaboration avec le cabinet d'experts MKM, a pris l'initiative d'organiser un atelier de formation ayant pour thème « Nouvelle nomenclature des maladies professionnelles, protection, désignation, prévention, modalité de déclaration et de réparation ». Ainsi donc, je lance officiellement l'atelier de formation sur la nouvelle nomenclature des maladies professionnelles, action, désignation, prévention dans la province du Haut-Katanga. Le lieu du travail est un endroit sain. C'est pourquoi Angélique Kyungu-Mwamba les a invités à appliquer ce qu'ils apprendront dans leurs entreprises respectives. Et puis, les gouverneurs de province, Jacques Kyabulakatu, étaient sur terrain la journée du 4 septembre de l'année en cours, où il a commencé par visiter la pose de la pelouse synthétique sur l'air des Jeux du stade Omnisport Kibasa Madiba de la ville de Lubumbashi avant de visiter la ville circulaire en chantier dans la commune de la Kéensulé. Ce n'est qu'une question de temps. L'air de jeu du stade Omnisport Kibasa Madiba de la Kenya sera doté d'une nouvelle pelouse synthétique répondant aux normes de la Confédération africaine de football. Le gouverneur Jacques Kyabulakatu, qu'accompagnait ses ministres de l'Intérieur Héritier Kyungu, des infrastructures Eric Sakuyema Lukwesa et de la commissaire provinciale au sport Pauline Igwabi, est allé se rendre compte de l'effectivité des travaux qui ne vont durer que 2 semaines selon l'entrepreneur. Jacques Kyabulakatu a suivi les explications sur les déroulements des travaux qui ont commencé par la pose des supports de la pelouse. Le gouverneur tient à achever complètement la rénovation de ses complexes sportifs en perspective des interclubs de la CAF après homologation. Cette descente du terrain du gouverneur Jacques Kyabulakatu a eu comme point de chute l'avenue circulaire de la commune de Kenya.
Ici, le premier Deo Katangé s'est imprégné de l'évolution de travaux de réhabilitation de cette avenue, travaux exécutés par la société CCECC sous la supervision de l'OVD. Il s'agit de la matérialisation du programme du gouvernement provincial qui consiste à réhabiliter 150 km de routes sur 2 ans à travers la province du Haut Katanga. Et puis poursuite la journée de ce lundi 4 septembre du traitement du dossier d'Augustin Matata Ponyo Mapon au niveau de la Cour constitutionnelle dans l'affaire Bukangalonzo. Il y a eu le détournement de près de 205 millions de dollars américains sur les 285 qui avaient été décaissés par le gouvernement central de la République démocratique du Congo en son temps. Cependant, la Cour constitutionnelle a pris la ferme décision de renvoyer le dossier à la date du 25 septembre prochain pour permettre aux partis, aux différentes parties qui interviennent dans ces dossiers de pouvoir s'imprégner de l'essentiel ou du fond de ces dossiers pour procéder au traitement du fond lors de la prochaine audience. La décision a été prise la journée du 4 septembre à Délandé en cours à Kinshasa, capitale de la RDC, en présence d'Augustin Matata Ponyo qui a fini par rehausser de sa présence auprès de la Cour constitutionnelle. C'était renvoyé au 4 septembre l'affaire ministère public contre Augustin Matata Ponyo, ancien premier ministre, actuellement sénateur. Deogratias Mutombo Mwananyimbo, ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo, actuellement président du conseil d'administration de l'autorité de régulation et de contrôle des assurances, et M. Grobler, directeur de la société Africom Commodities, au moment des faits. Lorsque le président de la cour, Dieudonné Kamouleta, ouvre l'audience pour que le greffier déroule le rôle, tous les prévenus sont présents. Cette fois, les significations sont régulières. Le sénateur Matata Ponyo est identifié parce qu'il ne l'était pas encore jusqu'à date. Maître Laurent Onyemba, conseiller du sénateur Matata Ponyo, a pris la parole pour solliciter une remise d'un mois, alléguant n'ayant pas eu accès aux 6000 pièces du dossier, un droit inaliénable de la défense pour un procès équitable, insinuant au passage une main noire sur le dossier qui les empêcherait l'accès au dossier chez le greffier. Insinuation vite balayée par le président de la Cour des séances, Dieudonné Kamouleta, qui reconnaît le droit de la défense d'accéder librement aux pièces du dossier, renvoie l'affaire au 25 septembre et enjoint à l'administration du greffe de faire diligence afin que les parties entrent en possession de tous les dossiers. Et puis direction la ville de Goma où la délégation du gouvernement RD congolais envoyée depuis la journée dès ce samedi de septembre dès l'année en cours, constituée du vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité, à la personne tout simplement de Peter Kazadi, mais également le vice-premier ministre en charge de la défense nationale RD congolaise, Jean-Pierre Bemba Gombo, et du ministre des droits humains, tous trois bien évidemment ont été à présent, encore une fois de plus, la journée de ces 4 septembre pour faire encore une fois de plus les suivis des tueries de ses compatriotes RD congolais des Ouazalendo qui avaient été tués la journée du 30 août dernier dans cette partie du pays parce que ces derniers cherchaient à manifester contre la présence des forces onusiennes en RDC mais également d'autres forces internationales présentes sur le territoire RD et congolais. Ces derniers avaient été tués, certains blessés. Parce que, de par les rapports du gouvernement, il y a eu 43 morts et plusieurs blessés qui sont internés dans les différentes structures médicales de la ville de Goma. Suivez donc ces comptes rendus du vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité, Peter Kazadi, qui a tenu à faire les rapports la journée du 4 septembre de l'année en cours de la mission qui vient dans cette partie du pays. La République avait diligenté une commission interministérielle constitué de moi-même, vice-premier ministre de l'Intérieur, sécurité et affaires coutumières, avec mon collègue, le vice-premier ministre en charge de la défense nationale et ancien combattant, également avec le ministre des droits humains, aussi avec notre collègue, vice-ministre à la justice. L'objet de notre mission est, puisque nous y sommes encore, l'objet de notre mission est de nous enquérir des événements, nous enquérir sur les événements qui se sont déroulés le 30 août ici dans la ville de Goma.
Nous sommes également accompagnés de l'auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo, qui nous a aidés dans le travail que nous avons abattu pour la journée de ce dimanche jusqu'à tard. Maintenant, nous sommes lundi 10h30. À l'issue des auditions, nous avons auditionné tous les responsables militaires sécuritaires de la ville, c'est-à-dire commençant par les généraux militaires, les commandants de la zone de défense, tout le monde, les commandants de la police, les services de renseignement, l'ANER et la DGM. À l'issue donc de ces auditions, et sur instruction du commandant suprême, je vais vous annoncer que quelques responsables militaires ont été immédiatement déférés devant les parquets, l'auditorat. Il s'agit du commandant de la brigade de la garde républicaine et des commandants régiments. Ils sont placés en détention et un procès sera organisé dans les heures qui viennent pour que les responsabilités soient établies. C'est ici l'occasion pour nous d'en appeler au calme. Nous demandons à la population de rester calme, de faire confiance dans les gouvernements et de faire confiance à notre justice qui va bientôt se prononcer. Nous demandons également à chaque famille qui aura constaté la disparition de l'un de ses membres de se signaler auprès de l'auditorat supérieur avec possibilité de se constituer partie civile dans le procès qui va être organisé. Voilà, chers amis de la presse, l'annonce que nous pouvons vous faire ce soir. Nous sommes encore là. Nous allons continuer pendant la journée à recevoir les membres de la société civile et toutes les autres personnalités qui pourront solliciter. Place à présent, rappel des titres. La forte délégation gouvernementale est arrivée à Goma, chef-lieu de la province du Nord-Kivu. La soirée de ce samedi 2 septembre et l'année en cours dans le but de se faire une idée claire sur les tueries enregistrées la journée de ce 30 août dernier par les forces de l'ordre. Cependant, la délégation a promis des sévères sanctions auprès des coupables après la ronde effectuée la journée dès ce 4 septembre dès l'année en cours pour le suivi du dossier, mais également l'audition des présumés coupables. Et puis l'affaire Bukangalonzo qui occupe actuellement les devants de la scène judiciaire en République démocratique du Congo a été renvoyée à la date du 25 septembre prochain par la Cour constitutionnelle en accordant ainsi un délai supplémentaire pour permettre à tout le monde d'accéder au fond du dossier. Le Premier ministre sortant, Augustin Matata Ponomapono, ancien Premier ministre de la RDC, a comparu personnellement au cours de cette audience. Et puis, la rentrée des classes exercice 2023-2024 est effective sur toute l'étendue du territoire national. À Kinshasa, cette rentrée a connu son lancement dans une école située dans les encablures de l'université de Kinshasa, UNIKIN, en abrégé, bien évidemment, la journée de ce 4 septembre dès l'année en cours. Ici, les ministres en charge de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba, a placé cette rentrée sous le signe de l'amélioration de la gouvernance de la République démocratique du Congo. Madame, Monsieur, voilà, c'est qu'a constitué l'essentiel de cette session informative sur les antennes de la centrale radio-télévision. Si vous l'avez dit, donc merci à la grande équipe de votre chaîne, mais également à Isaac Sakamoto pour sa bonne réalisation de cette édition d'information sur les ondes de la CRTV. Bien retrouvé. Encore une fois de plus à demain, à la même heure, sur la même chaîne, aujourd'hui vous pouvez à la présentation de cette édition d'information. Tous mes également toutes agréables et bonnes vidéos de la chaîne. Bye.